Bueno, tú sabes que nosotros emitimos un comunicado felicitando al nuevo gobierno francés, al presidente, y ojalá, como ahí se dice, este nuevo gobierno socialista, del Partido Socialista, de la izquierda, bueno, marque un viraje. Nosotros no queremos inmiscuirnos en las cosas internas de Francia, pero caramba, el gobierno que sale, un gobierno terrible, terrible. Mira, yo fui buen amigo soy buen amigo del expresidente Chirac. Tuvimos una excelente relación, nacionalista. Pero hay que recordar la actitud valiente de Chirac cuando la agresión imperialista a Irak, por ejemplo, y Francia se puso firme, y ha sido una posición histórica a lo largo de los siglos de Francia. Pero mira cómo terminó el gobierno francés, subordinado al imperio yanqui, las agresiones contra Libia, contra Siria, y bueno, y liderando el plan del Fondo Monetario Internacional, que le están aplicando de manera inclemente a los pueblos europeos. Ojalá que Francia se sume a los que luchamos por la autodeterminación de los pueblos. Je considère que l'Iran est une menace, que l'Iran, dans la mesure où elle cherche à disposer de l'arme atomique à des fins militaires, l'Iran doit être sous pression, elle l'est, elle doit être encore davantage. J'ai évoqué évidemment pour commencer la situation en Libye, le Parti Socialiste se réjouit de voir la situation, regarde des informations que nous avons aujourd'hui sur le terrain tournée à l'avantage des insurgés, notamment dans la ville de Tripoli. Saluer l'implication et le courage évidemment des soldats français et des aviateurs français qui ont contribué par leur frappe à faire en sorte que le rapport de force tourne à l'avantage des insurgés. Je ne veux pas ici donner de l'illusion. On n'arrivera pas à sortir de nos problèmes de financement en demandant à la Banque Centrale Européenne de nous faire des avances sans intérêt. Le monde multipolaire. Eh bien moi je mets ce matin en accusation la Russie et la Chine par rapport à cette situation en Syrie. Parce que ce sont ces deux pays, ce sont ces deux puissances qui empêchent toute intervention des Nations Unies. Et aspiramos retomar pues unas relaciones políticas, económicas, sociales entre dos países que siempre han tenido relaciones muy buenas desde hace mucho tiempo, Francia y Venezuela. Es lo que te puedo decir. Un eje central tiene ese gran proyecto. Este es nuestro gran proyecto. Darle poder al pueblo, que es el dueño del poder.